Paris, le 7 novembre 1938, Herschel Greenspan, 17 ans, se présente à l'ambassade d'Allemagne. Le jeune homme entre et demande à un huissier s'il peut parler à l'ambassadeur. Monsieur ? J'ai des documents très urgents à remettre à l'ambassadeur. Donnez-les-moi, je transmettrai. Impossible, monsieur, il me faut absolument les lui remettre en main propre, et au plus vite. Bien. Suivez-moi, je vais voir qui peut vous recevoir. L'huissier fait entrer le jeune homme dans la salle d'attente et le fait patienter. Ce matin-là, seul l'attaché d'ambassade, Ernst von Rath, est à son bureau. Il accepte de recevoir le jeune visiteur. L'huissier conduit le jeune homme dans le bureau de von Rath. Vous avez donc des documents à remettre à son Excellence ? Au nom des Jules Brimé, voilà les documents ! Je ne ferai plus rien. Le jeune homme est immédiatement arrêté et conduit au commissariat de la rue de Bourgogne, où il subit son premier interrogatoire en présence d'un fonctionnaire de l'ambassade d'Allemagne.